Yorana tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Kevin MK comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve à Paris pour un shooting photo, un défi photo qui sera extraordinaire, qui sera marqué dans les annales. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une photo les yeux bandés. Bandés. Donc moi en tant que photographe, je ne verrai pas ce que je vais faire, mais pour m'aider, Mélanie sera mon assistante photo. Pourquoi j'ai choisi Mélanie? Tout simplement parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble et la communication est fluide et surtout il y a très peu d'interprétations. L'équipe qui sera du coup dans cette vidéo, comme tu as pu le comprendre, il y a moi en tant que photographe, Mélanie en tant qu'assistante, Raymana en tant que cadreur et Candice en tant que modèle photo. Je suis avec Candice, Candice qui est modèle. On est toutes les deux. Candice, elle est souvent avec des robes de créa. Jamais du simple. Ou alors lingerie. C'est vrai que je suis toujours dans le même style de photo en fait. On va dire soit des robes, soit de la lingerie, mais pour le coup aujourd'hui on a vraiment voulu faire quelque chose qui change. Aujourd'hui on va lui donner un look un peu plus à l'américaine. Et plus pétant. Un peu plus lifestyle aussi. Quelque chose qui va vraiment aussi un peu elle la dérouter tout autant que Kevin. J'ai déjà pris Candice en photo, donc du coup j'ai déjà un petit peu l'habitude de travailler avec elle. Donc normalement ça devrait très bien se passer, j'ai confiance en cette équipe. Kevin ne le sait pas, mais on a prévu de l'embêter tout au long de la vidéo. Sachant qu'il aura les yeux bandés. Donc ça va être très drôle. Qu'est-ce qu'on a prévu? Un petit haut Coca-Cola à manches longues. Et du coup elle va avoir très très chaud. Short bien déchiré, ça va changer les robes. Voilà. Kevin ne le sait pas parce que normalement Candice est censée avoir une seule tenue, mais du coup on a prévu d'autres choses. Un crop top. De toute façon Kevin il sera pas au courant, donc c'est déjà génial. Sachant qu'il fait au moins 33 degrés là. J'ai foi, je sais qu'on va faire des choses extraordinaires. Allez top. Un truc dans la gueule. C'était la gueule. Putain, y avait une marche. Peux-tu répondre à Kevin? De toute façon, c'est pas mon problème, c'est toi qui vas te prendre une fouche dans pas longtemps. Attention, le mur devant. Il est en stress comme jamais. Il va y avoir quelque chose. Premier lieu, nous sommes juste là. Donc, qui sont à... noir, c'est un gris clair. Yes. Ensuite, j'ai un mur en briques. Yes. J'ai un grand fond vert avec des citernes blanches qui sont à l'horizontale, yes. Couchées. Yes. Et là, j'ai les citernes grises qui ferment le décor. Tout ça, je le vois à travers une sorte de grillage transparent. Oui. Croisillons, là, comme quand ça. Non, c'est pas les croisillons, mais c'est à la verticale. Quand je t'ai prise en photo à la gare de Lyon. Un peu dans ce style-là, ouais. Ok, d'accord. Donc à la verticale, comme ça, ok. Et du coup, en fait, il y a le terrain. Il y a des chiens. Ouais, il y a des chiens. D'accord. On peut peut-être faire quelque chose avec les chiens, tu vois, Candice, elle est assise au milieu des débris, il y a les chiens autour. À savoir qu'au niveau du soleil, tu sens qu'il vient de ta... Ouais. De ma gauche. Le grillage, il va jusqu'à quelle hauteur? Il est haut comme nous, comme toi. Haut comme moi. Donc c'est-à-dire que... Bon, il fait bien 1m90. Ok, donc si je mets Candice contre le grillage, en fait, il dépasse. Yes. Candice, elle est habillée comme... Trois photographes, une modèle. Ok, donc il y avait trois tenues différentes. Quasiment l'une d'entre elles. Donc yes. On est sur une tenue, quel style? Sport? Street. En fait, c'est plus dur que ce que j'imaginais. La zone d'ombre, elle est large ou pas? La zone d'ombre n'est pas très large, mais elle se situe en face dans cette direction-là. Ok, on va aller à la zone d'ombre. Je te mets en face de la zone d'ombre ou je te mets dans la zone d'ombre? Je te mets en face de la zone d'ombre. Hop, ah. Alors attention. Oh, pardon, désolé. Ah, ça c'est des vélos très. J'ai l'impression d'être bourré. Regarde, là tu es dans la zone d'ombre. Ok. Derrière le grillage, il y a quoi immédiatement? Il n'y a rien, un autre grillage et les citernes. Ah, j'ai tellement envie de voir ce que je veux faire. Vraiment bien parce que du coup, t'avais vraiment à te projeter ton image que tu voulais faire. Ok, je veux un truc portrait, ok. Statique avec l'ambiance. Elle va faire un truc comme ça et la photo, elle arrive comme ça. Ok. Première
pareil. Photo. Oh, 1 plus 2. Non, alors, bouge plus Candice. Là, t'es sur le visage de Candice. Ok. Attends, on va faire ça. Ah merde, je peux pas. Je suis con. Je fais la statue. Putain, il y a le retardateur. Ah, elle est belle la photo. Candice, t'es bien dessus. Je déteste, c'est horrible. J'ai envie de rentrer chez moi. Ça me saoule. Putain, mon maquillage il a coulé. Le soleil il arrive de là. Ouais, mais en fait, je veux pas que le soleil l'illumine complètement. Je veux que. Toi, tu vois pas. Et moi, je vois pas. Je vois pas ce que tu me dis. Trop bon ça. Donc, accroupi. Là. Ah, t'es là, Candice. Eh, salut Candice. Bonjour. Putain. Là, les longs cadrages. Alors, attends. Même, recule-toi. Est-ce que ça en est... Putain, j'ai l'impression, si les photos elles sont loupées, je vais être une assistante de merde. Donc elle est accroupie, la jambe comme je t'ai fait mettre tout à l'heure, et ensuite elle a les mains croisées à l'avant. Elle regarde du côté de la rue avec les voitures. Ok, à gauche. Ouais, elle est vraiment de profil. Okay. Ouais, il lui cache le visage que tu... le moins exposé. Vous allez bien, la photo, là. Qu'est-ce que... je comprends pas ce que tu veux. Ah, t'as l'impression de... Yes, là c'est meilleur. Ok. Là, c'est bon. Là, elle est bonne. Elle est bonne. Je on parlait de Candice. Alléluia. Am I awake or am I dreaming? So far gone, I won't look back. And when I move, there ain't no stopping me. You're pushing me up to the top. Pour le deuxième spot, il y a une petite maison juste en face, donc on traverse. La devanture de la maison, c'est du crépi blanc, avec autour des fenêtres et des portes. Ça fait comme à l'ancienne des espèces de pierres qui sont peintes en rose saumon. C'est très girly. Ouais, on peut mettre ce qu'on a pris, le crop top. En plus, il vous fait un clin d'œil. Ok, si je devais résumer cette expérience avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout un enfer. Mel, mes yeux. Je crois que c'est la... C'est un enfer, c'est la pire expérience. C'est la pire expérience de toute ma vie. C'est très dur de mettre des mots sur ce qu'on voit et les images sur ce que lui ne voit pas. Voilà. Et toi, Candice? Et moi, du coup, la difficulté pour moi, ça va être de tenir la pose très longtemps. Parce que vous mettez beaucoup plus de temps et vous mettez d'accord et pour la prise de vue. Mais sinon, ça va. Franchement, non, je vois pas de quoi parler. Non mais nous on est super rapide pour... Moi non, je mais trouve ça, qu'on est rapide. Alors voilà, moi c'est à dire ce que je vous propose, c'est d'aller vers ce lieu que vous ne voyez pas, vous, que moi je vois très bien, puisque c'est un lieu avec des sortes de briques roses. Saumon. Ouais, voilà. Ouais, allez, t'es prêt? Je suis prêt. Attention pour monter, hein. Alors, ouais. Ok, on va essayer de la devanture, c'est parti. Putain, fais chier, genre je vais avancer. Ouais, bah, vas-y, on va déjà la mettre s'asseoir. Et tu vas me décrire comment c'est que je... yes. Une fois qu'elle est assise. Candice! Mais j'ai fait à la rage de dos. Elle est partie en courant. Le gros bâtard. Candice! Assis! Au pied! Donc du coup, Candice est en face de moi. Candice! Là, je suis en face, là. Face. Okay. Assise face, jambes écartées comme ça, les mains devant comme ça. Ouais, le dos comme ça, le dos posé contre là où elle a ses fesses. Ouais. Les jambes tendues. Tu t'étends au max. Voilà. Elle essaye d'atteindre l'extrémité du mur, mais trop petit. Le coin, tu sais, en diagonale. Mais bien sûr, mais toujours plus quoi. On peut aussi. Hey, t'es pas bonne, on peut aussi tricher, je peux enlever le bon nana. Hein. Devant toi, mets ta main sur ta droite. Ah, c'est cette droite. Tes jambes en fait ne sortent pas du cadre. Prends là et on recadre sur la tête. Putain, j'en peux plus, je veux voir la lumière. C'était ton idée, Kevin. Yes, c'est bon. En fait, faut le faire avec quelqu'un qui a l'habitude de manipuler le même genre de boîtier. J'arrive pas à le changer. Alors, voilà, ça m'énerve. En fait, regarde. Ça me saoule, vas-y, fais-le, ça m'énerve. C'est juste au-dessus. Regarde. Juste au-dessus. Là, yes. Donc là. Vas-y, one shot. Tu mets un endroit où t'aimerais que ce soit net, mais par exemple, fais un gros zoom sur une partie du corps de Candice. Non, pas c'est ça, mais... Non, mais c'est pas ça. Mais ton ombre. Yes. C'est horrible, je me sens trop sale. D'habitude, quand on attend de nos jours, on prend son téléphone, on va sur internet, on discute avec quelqu'un, etc. Et le visuel, on a beaucoup l'habitude de l'utiliser. Là, je peux pas, en fait, je peux pas l'utiliser, j'ai rien d'autre. Candice, tu es magnifique. Merci. Tu trouveras rayonnante et ravissante comme ça. Ne change pas. Ah bah ça, j'imagine bien.
le cul à l'air encore une fois comme d'habitude. D'accord, ah donc je prends vraiment large. Mais oui, c'est pour ça que je te dis en fait. Ok, d'accord, ok, ok, non mais c'est pour être sûr parce que je comprenais pas. Je suis parti sur un truc plus simple. Mais elle pète un câble. Oh bah, c'est un enfer. Alors, en gros j'essaie de faire des trucs très graphiques. J'ai demandé à Candice de former une croix avec son corps, de face. Comme ça, en gros, ça simplifie largement la communication. Il n'y a pas d'ambiguïté normalement. Je sais pas, on va voir. C'est bon? On a fini? On l'a? Ouais. Ok, bah vas-y, tu peux l'enlever ce bandeau. Ça ressemble pas du tout à ce que j'avais en tête, meuf. Et on a shooté là? On a mis énormément de temps à tourner. Je viens de regarder vite fait sur le boîtier les photos et je suis plutôt content par rapport à ce qui s'est passé. On s'est engueulé pour la première fois de notre vie. On s'est embrouillé sévère. Franchement, on s'est crié dessus. Le truc le plus difficile pour moi, c'était les moments d'attente. Autour de moi, j'entends des bruits, j'entends des gens passer, mais j'ai eu souvent le réflexe de prendre mon téléphone dans la poche et de commencer à l'amener à dire bon, bah, je vais aller sur Insta, je vais aller jouer à un jeu, je vais envoyer un message, mais je peux rien faire en fait. J'étais impuissant. Voilà. Ok, moi j'ai détesté cette vidéo. J'essaye de créer ce que lui veut que je crée et j'y arrive pas et en fait, j'ai ma zone de confort. Ben, moi je comprends pas, des fois je vois la photo que tu veux faire, ouais. Mais comme j'ai pas ton traitement en tête ou j'ai pas ta façon de voir exactement les choses et j'ai pas la même notion un peu de beau ou d'artistique que toi, comme moi j'ai mon point de vue, en fait c'est ultra compliqué. Moi le souci c'est que comme vous deux vous avez pas du tout la même vision des choses, je sais pas comment me placer vis-à-vis de vous deux, déjà d'une. Et aussi le temps. Je peux rester sur une pause pendant super longtemps parce que bah, du coup vous communiquez, vous essayez de trouver la bonne prise de vue. Et du coup moi je suis là, je bouge pas, je sais pas quoi faire, est-ce que je bouge pas. Parce que quand on a affaire à juste un seul photographe, on sait que ça, il va nous dire fais ça. Là vous ne saviez pas forcément ce que vous vouliez du coup. En fait comme je le connais un peu, je sais ce qui peut l'inspirer ou pas. Du coup je me suis dit bon, je vais choisir la facilité. Ce qui finalement a pas été très facile. Ce qui finalement a été quand même relativement compliqué parce que du coup il faut gérer. En plus son appareil photo je le connais pas. Donc ouais, s'il y avait des points que tu changerais. Après je vois pas parce que c'était quand même logique, c'était vraiment logique. Genre si on me fait le jeu pour combien tu refais cette vidéo, franchement pour rien. C'est compliqué parce que généralement le photographe aussi c'est la personne qui va plus prendre les devants, ouais. Qui va dire oui, non, qui va faire attention aussi au reste de l'équipe. Je vous incite, si vous regardez cette vidéo ou si vous connaissez des photographes à les pousser qui font des vlogs, à tester la chose. Même quand vous êtes modèle et photographe et que vous entendez bien, ouais. Comme nous, trouvez un autre modèle et entraînez-vous parce que je pense que ça nous a rapprochés et maintenant on va plus travailler sur certaines choses. Ça nous a soudés un peu plus. On le refera très certainement dans une autre vie. Dans un an. Allez, dans un an, jour pour jour, on fera la même vidéo avec le même body. Et la même modèle. Et la même modèle. Sérieux, vous voulez pas changer Non, en vrai, c'était une très belle expérience. Elle est très marquante. Voilà, ouais. C'est surtout ça. Elle était très marquante. Si t'as aimé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, tu mets un gros pouce bleu. Si tu veux qu'on s'embrouille encore, tu mets un gros pouce bleu. Si t'aimes pas qu'on s'embrouille, tu mets un gros pouce bleu. Si t'as des idées de vidéos où tu... Voilà, tu... Bah, mets des pouces bleus, quoi. Ou tu peux mettre un commentaire avec un pouce bleu dans le commentaire et un pouce bleu sur la vidéo. Si t'as bien aimé Candice, tu mets un pouce bleu. Si t'as bien aimé Mel, tu mets un pouce bleu. Si t'as pas aimé Kevin, tu mets aussi un pouce bleu. Tu partages un maximum cette vidéo, tu t'abonnes. Et moi je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sortira. Elle sort quand? Dimanche. Et on vous dit tous les quatre, Maou.